enfin, c'est beaucoup orienté quand même autour de les animaux vont bien et on s'assure qu'ils vont aller bien en leur produisant de la bonne nourriture et on s'assure que les champs et la machinerie permettent de faire de la nourriture pour que les animaux aient à manger à longueur d'année. Bertrand Hanel, je suis le propriétaire de la ferme Percée Nature, une ferme de bovins boucherie. Les bâtiments chez Lorenzo, donc ça c'est à Cap d'Espoir. Et j'ai aussi des pâturages que j'exploite en été qui m'amènent à Val d'Espoir. On est arrivé, les mères viennent chercher leur veau, elles se demandent ce qui se passe. Les animaux mangent que de l'herbe, du foin, et puis c'est le créneau, mais ça, pour moi ça fait du sens. Ben moi j'ai une ferme vraiment à petite échelle. Entre les naissances et les abattages, j'ai entre 40 et 60 têtes. Ben je commercialise la viande de mon troupeau en vente directe. Enfin, j'ai commencé plus comme intervenant animateur d'un projet agroforestier. On a planté plusieurs haies. Je me retrouve dans des plantations agroforestières que j'avais mis en place avec d'autres producteurs. En ayant maintenant changé de casquette et en étant éleveur, c'est très plaisant aussi de profiter de ces arbres qui ont poussé. Souvent dans les haies, on combine des grands arbres, puis il y a des arbres plus intermédiaires d'accompagnement, donc souvent des arbres fruitiers, ça peut être du pommier, du pommetier. Frêne aronia, érable aronia, frêne aronia, la bombe des antioxydants. C'est-à-dire l'arbre n'a pas été planté pour faire un brise-vent, mais vraiment pour faire du bois. L'arbre il est droit, rectiligne, je veux dire il n'a pas 20 ans et il est vraiment vraiment beau. Là. Tout ça est intercalé. Là. On a mis pas mal d'arbustes fruitiers. L'aronia, c'est notre grand champion parce qu'il est très très adaptable. Ça fait des belles productions de fruits aussi qui sont des fois intégrées même dans les micro-brasseries locales. Mettre des rangées d'arbres pour que ce soit beau, productif, mais en association avec l'espace agricole. Et donc il y avait l'idée de produire, mais il y avait aussi l'idée de paysage. Quand on parle biodiversité, ben, ça commence avec cette diversité végétale-là. Un lieu de vie pour plein d'animaux. L'herbe, je pense que c'est un élément majeur de durabilité du système agricole. Ça capte du carbone, ça renforce les sols, c'est beaucoup de vie. Les arbres, ça s'inscrit tout à fait dans la même lignée. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait les lisières. Je trouve que c'est des milieux très riches. Ces frontières entre le champ et la forêt, c'est des endroits où il se passe beaucoup de choses. Les arbres, c'est toujours protégé par des clôtures électriques. Quand ils piétinent tout le temps sous le même arbre, c'est sûr que ça asphyxie le sol, les arbres dépérissent. Avoir des lignes d'arbres, plutôt en suivant les courbes de niveau, ça crée des zones d'absorption, donc l'eau, au lieu de ruisseler, rentre dans le sol, et ça permet de maintenir une fraîcheur du sol. Ça crée des zones d'ombrage, et c'est vrai que l'herbe reste plus verte plus longtemps, là où elle est abritée par les arbres. Enfin, je crois qu'il y a vraiment beaucoup à gagner à créer cette diversité. Il y a de la place, je pense, aussi pour des petites exploitations et éventuellement en diversifiant la mise en marché, puis en enrichissant le milieu autant que possible.